Samedi 22 avril 2023, à quelques mois des élections qui, en principe, devraient avoir lieu au mois de décembre de cette année 2023, Ensemble pour la République se prépare. Et dans ce cadre, le président fédéral de Johannesburg, M. Fiston Mukumbi, a eu une réunion avec toute son équipe et les chefs de tous les secteurs et les sections de Johannesburg dans sa fédération. Section Vaal, Rosettenville, Krugersdorp, Yeovilly, Kensington, tous ont répondu présents à cette grande réunion. Qu'est-ce qui s'est dit dans cette réunion? Le premier point à l'ordre du jour était l'information que le président devrait donner à l'audience pour la mise à niveau de les informations qui se passent au niveau du pays. C'est-à-dire la rencontre à Lubumbashi des présidents Moïse Katumbi avec les autres leaders de l'opposition. Je cite ici M. Martin Fayulu, Deli Sesanga et Matata Mponyo. Un autre grand sujet qui était la loi Tchani et le président Fiston Mukumbi a donné la position de l'ensemble sur ce sujet. Au niveau de la capitale, si vous lisez le communiqué qu'ils ont adressé, ils ont dit la CENI doit être consensuelle, la Cour constitutionnelle doit être révisée. Donc c'est comme s'ils viennent de comprendre que nous devons entrer dans la case d'électorat. Si aujourd'hui ensemble et les autres se disent que bon, la CENI consensuelle, la Cour constitutionnelle doit être révisée, cela veut dire quoi? Deux grandes décisions, donc des actes qui devront être pris. Le premier, c'était la convocation d'une grande manifestation en date du 6 mai pour une déclaration officielle sur les grands sujets d'actualité, dont la position de la Fédération et d'ensemble de l'Afrique du Sud, qui aura à réunir tous les membres de la Fédération de Johannesburg dans un lieu qui vous sera communiqué. Le deuxième point était un programme permanent de rencontres des membres au bureau du parti tous les samedis de 9h à 17h. La réunion a commencé à 17h et s'est terminée à 20h. Merci pour nous avoir suivis. On se rencontre dans un nouveau numéro. Au revoir.